quand il y a eu le jeu sur Radio Mont-Blanc. J'ai participé et puis après j'ai été surpris quand j'ai gagné. Donc du coup j'ai dit faut y aller et on va essayer quoi. C'est un coup de tête quoi. C'est ça, ça m'a poussé à essayer. Et ouais. En fait c'est vrai que on y devient vite addict et on y prend vite du plaisir en fait. 4 auditeurs ont gagné leur dossard ici sur Radio Mont-Blanc pour courir 4 trails de la région, des magnifiques trails aux couleurs de la radio. Il y avait le trail du JPET, la Combloran, le marathon du Mont-Blanc et l'Argent Trail. Courir sur les plus mythiques trails, sur les plus beaux chemins de notre région en courant pour l'équipe Radio Mont-Blanc. C'était en partenariat avec Nissan Groupe Morin et Decathlon, Sionzier et Decathlon City Chamonix. Eh bien, sur les 4 auditeurs qui ont gagné ces dossards, il y en a 3 avec moi en studio. Bastien, Catherine et Yannick. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue ici dans le studio de Radio Mont-Blanc. Alors, vous avez participé à ce challenge. Déjà, le trail, ça vous vient d'où? Parce que le trail, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs qui disent « mais c'est infaisable ». Courir même déjà 10 km en montagne, c'est pour beaucoup pas faisable. Par exemple, Bastien, ça vient d'où? Moi, c'était une décision personnelle d'avoir envie de changer de mode de vie. Et j'ai commencé à courir et le trail est venu un peu naturellement. Après, il faut vraiment que les auditeurs se disent que c'est accessible à tout le monde. Ça dépend du trail. Facile et qu'il y a des très courtes distances. Il faut juste sortir un peu de sa zone de confort et y aller. Alors Bastien, ce que tu me disais avant de l'interview, c'est que tu as été addict, tu as consommé de la drogue. J'étais vraiment 18 ans de tabagisme, un peu d'alcool, léger, mais un peu tous les jours. Et j'avais vraiment envie de changer, il me fallait un peu un électrochoc. Ouais. Donc j'ai commencé avec le format marathon directement pour me challenger vraiment. Et ça a fait partie de... Ça a changé ta vie. Exactement. Catherine, ça te vient d'où? Alors moi, c'est complètement différent. Donc on va dire que c'est mon mari qui m'a transmis cette microbe du trail. Lui, ça fait des dizaines d'années qu'il court, donc il a fait aussi l'UTMB, la CCC, ouais. Donc vraiment un ultra-trailer. Moi, je l'accompagnais, donc je faisais son ravitaillement. Donc rien que ça, ça me plaisait beaucoup. Après, j'adore la nature, j'adore la montagne. Et voilà, ça y est, je me suis mise à courir. Et Choper le virus. Comme toi, t'as dit. Sortir de sa zone de confort. Et du coup, pour justement me permettre de pouvoir faire des trails, je suis adhérente du club SPAC à Sallanches. Et justement, Catherine, c'est pas la première fois que je t'ai en interview. Non, parce que tu as c'est créé, vrai. T'es tellement amoureuse du trail que t'as créé avec ton mari un trail à Sallanches. Alors, c'est pas avec mon mari, par avec contre. Ton mari. Ah, pardon. Donc, petite correction. Si seulement. Non. Donc, en fait, c'est le SPAC, en fait, ouais. SPAC, donc toute l'équipe du SPAC, pas que moi, c'est important à dire, qu'on a lancé la première édition du Trail des Daïus à Lanchard cette année. Donc, la semaine prochaine, on va reprendre justement les discussions pour 2024. Eh bien, formidable. Ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle édition. On vous en tiendra au courant ici sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Et Yannick, toute autre histoire encore une fois. C'est ça, comme je le disais, c'est le trail. Moi, j'avais jamais couru en montagne, jamais fait de course. C'est une découverte. En fait, tout à fait. J'ai souvent fait avec le pays qu'on a et les richesses qu'on a, j'ai fait beaucoup de rando et j'apprécie ça. Après, je fais beaucoup de footing et quand il y a eu le jeu sur Radio Mont-Blanc, j'ai participé et puis après j'ai été surpris quand j'ai gagné. Donc du coup j'ai dit faut y aller et on va essayer quoi. C'est un coup de tête quoi. Ça m'a poussé à essayer. Et ouais. En fait c'est vrai que on y devient vite addict et on y prend vite du plaisir en fait. Alors comment ça se prépare justement? Parce que vous connaissez déjà le trail, vous avez déjà fait du trail. Comment t'as préparé par exemple le challenge avec ces 4 trails qu'on proposait? Quand j'ai gagné, la première course elle arrivait quand même assez vite. Vu que je faisais quand même pas mal de courses sur du plat, ouais. Je partais pas non plus de zéro. Et puis je suis parti de chez moi à Shed, je suis monté jusqu'au lac Vert en courant. J'ai dit je vais voir comment ça fait en faisant une boucle, qui représentait un peu le dénivelé de la première du course. Du GPS, ouais. Voilà, ouais. En faisant une boucle de 14 km et avec 700 de dénivelé positif. J'ai essayé, j'ai vu un peu le temps et comme ça j'ai dit on va essayer comme ça. La première course c'était la Ptiote, c'était le samedi 3 juin, trail du JPAET, ensuite il y a la Combloran. Ça fait quoi d'être en équipe, de courir en équipe pour vous deux par exemple qui avez déjà couru des trails peut-être solo? Très honnêtement on était en équipe et c'est quand même individuel, mais il y avait quand même une petite effervescence
on se sentait un peu soutenu, enfin on représentait vos couleurs, c'était un peu spécial, ça fait un petit esprit d'équipe. Donc je sais pas, c'est une belle expérience, ça nous a motivés, je pense. Ouais, c'était les encouragements avant prendre le départ et après course se revoir et tout ça, c'était oui, c'est encourageant. C'était chacun sa course. Ouais, bien sûr. Chacun son rythme parce que on a tous des niveaux différents et des vitesses différentes aussi. Donc c'était sympa. Non, c'était et en sympa, plus, ouais. Représenter Radio Mont-Blanc, effectivement, ça change aussi un peu. Oui, et puis comme je l'avais dit déjà à la première interview, c'est en arrivant, et puis moi, pour une découverte de la discipline, il y a eu la bienveillance de Bastien, de Catherine, de Richard, pour chacun donner un petit conseil sur la course, pour avoir moins d'appréhension et puis la faire au mieux possible, quoi. Et ouais, on est tous partis à des allures différentes. Si, il y a Richard et Bastien qui étaient un peu... Devant. Un petit peu devant. Ouais, un peu devant. Et puis à chaque fois qu'on finit quasi à une place l'un de l'autre, quoi. Ouais. À chaque fois. Donc, c'est bien. Ouais, eux deux. On va dire vous, les hommes, pas moi. Ça crée des liens, justement, le sport, d'être dans cet effort-là. Est-ce que vous avez créé des liens, du coup, en dehors des trails? Vous êtes devenus amis, vous vous êtes revus? Honnêtement, non, pas plus non, que ça. Mais plus, si, enfin, on a des valeurs communes et on avait envie d'échanger un petit peu. On est ravis de se revoir. Oui, et puis après, oui, avec le WhatsApp aussi qu'on a fait du groupe, on peut s'échanger des messages. Moi, je sais qu'en courant, on habite quand même pas loin les uns des autres. La dernière fois, je faisais un footing, j'ai reçu un message. Et en fait, c'était Richard qui faisait, lui, du vélo et qui me félicitait de mon footing, quoi. Donc, c'était sympa, quoi. Ouais, vous croisez un petit peu partout. Voilà, et puis Catherine, c'est une voisine de Shed, donc on aura l'occasion de se recroiser aussi. Ouais. Formidable. C'était quoi vos plus beaux souvenirs sur les quatre trails? Est-ce qu'il y a un souvenir marquant? Est-ce qu'il y a un truc qui vous a vraiment marqué? Ah, une bonne chute au lac Béni. Non, ça va, c'était pas une grosse chute, mais je m'en souviens. Non, sinon, je... Catherine, non? Moi, c'était le dépassement pour moi-même, en fait. Donc, ouais. C'était un challenge perso de pouvoir participer à ces quatre trails différents. Et d'affilée aussi, parce qu'ils se suivaient à quelques semaines près. Oui, tout à fait. Donc, voilà, je suis fière de moi-même et ce que j'ai fait en perf. Voilà. Et Bastien? Ah, je dirais quand même le marathon du Mont-Blanc pour le nombre de personnes, l'effervescence, même si ça représente des inconvénients et que c'est pas tout rose, c'est quand même spécial. Ouais. C'est vraiment spécial. Ah, c'est une mythique. Autre ambiance. Ouais, c'est particulier. Courir au pied des aiguilles de Chamonix. Ouais. Avec cette ambiance, avec Ludo qui accueille sur la ligne d'arrivée. Avec Ludo, enfin, c'est la première fois que je le voyais, je savais qui il était. Entendre sa voix. C'est une icône, ouais, non, c'est spécial. Et 1800 personnes quand même qui courent, c'est quelque chose. Et ça a été quoi les choses les plus dures? Est-ce qu'il y a vraiment... Toi, c'est la chute du coup au lac Béni? Ouais, non, ça va. Le plus dur, ça a été Combloo. Okay. La Combloo-Rane, parce qu'en fait, j'ai vraiment voulu tout donner. Je suis arrivé, ça a piqué. Ouais. Mais sinon, c'était joli aussi à Combloo. Puis le départ au biotope, c'est joli, quoi. C'est joli, ouais. Restez avec nous, on reprend l'interview dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc. On va voir si justement il y a des trails qui vont arriver, est-ce qu'ils vont encore continuer. Et puis on va parler également peut-être d'une saison prochaine du Challenge Trail. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Nous sommes donc avec nos trois invités, trois des quatre coureurs qui ont participé au Challenge Trail Radio Mont-Blanc, Bastien, Catherine et Yannick. Suite et fin de l'interview sur le Challenge Trail Radio Mont-Blanc. On fait un petit point justement sur les quatre courses et nos quatre participants qui ont donc couru le trail de la du GPS avec la Ptiote, 14 km, c'était samedi 3 juin, la Combloo-Rane M, 7 km, le marathon du Mont-Blanc, les 10 km du Mont-Blanc et l'Argent Trail avec le trail des grands montées, 14 km quand même. Avec nous en studio, il y a donc Bastien, Catherine et Yannick. On salue également Richard qui ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui. Vous avez donc couru aux couleurs de Radio Mont-Blanc en partenariat avec Nissan Group Morin, Decathlon Chanzy et Decathlon City Chamonix. Alors, il y a eu ces quatre trails, on en a parlé, ça a été pour vous un défi de faire quatre trails d'affilée, entre guillemets, sur un mois, même moins d'un mois, sur trois semaines, il y a eu quatre trails. Ça a été pour vous une leçon, pas cette expérience? Ça vous a aidé peut-être pour la suite? Je vous vois tous vous regarder. Attention, je vais pointer du doigt quelqu'un qui va répondre. Oui, non, clairement, c'est vraiment que c'est intensif. Enfin, les courses, il faut quand même les préparer, il faut les encaisser un peu derrière et
c'est pas forcément évident de pouvoir enchaîner et de récupérer, etc. Et voilà. Donc ouais, non, c'était un vrai challenge. Mais est-ce que justement pour la saison prochaine de trail, bon, c'est pas fini, il y a encore des trails là qui arrivent en septembre, octobre, mais est-ce que ça peut vous encourager à faire plusieurs trails, par exemple, chaque semaine? Plusieurs, oui, non, pas toutes les semaines. Je préfère faire une course tous les mois, ou allez, peut-être enchaîner un peu plus, mais pas de manière aussi intensive. Oui, bien sûr. Et justement, toi, tu as fait une des courses de l'UTMB cette semaine, mardi. Oui, tout à fait. C'était là. L'ETC, Courmayeur, 15 km avec 1003 de D+. C'était vraiment solide, il y avait vraiment un gros niveau, beaucoup de monde, c'était très impressionnant. Ouais. Et, ça s'est bien passé, le parcours était vraiment très sympa, c'est magnifique Courmayeur. Très belle expérience. Et puis aussi, participer à une course de l'UTMB, avec tous les avantages et les inconvénients de l'UTMB, mais ça reste une course de cet événement mythique de la vallée de Chamonix, cet événement mythique dans le monde du trail. Un grand bravo pour ces 1300 mètres de dénivelé positif. Ouais, tout à fait. Ça reste quand même énorme. Catherine, à bientôt un trail, toi, il me semble. Oui, dimanche, la petite Bombée à la Giéta. Eh bien, formidable. Combien de kilomètres à peu près? 16 km et 900 D+. C'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, également Yannick qui, lui, a découvert le trail, enfin les compétitions de trail grâce à ce Challenge Trail Radio Mont Blanc. Ça t'encourage à en faire un petit peu plus, de continuer? D'essayer de continuer d'en faire encore, dès que la possibilité se présentera. Et du coup, j'ai un ami qui nous a inscrit et je fais le trail des Glières. 39 km. Ah oui, ça tu visais octobre. Pas les 10, 15 km. Ah oui, 39 quand même. C'est pas moi qui ai choisi le pas. J'aurais plus opté pour le 21, mais on est parti sur le 39 et on va faire ça en duo. Donc on démarre ensemble, on court ensemble et on termine ensemble. Donc on verra comment ça se passe. Ouais, voilà, c'est cool. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu, d'avoir débriefé un petit peu ce Challenge Trail Radio Mont Blanc avec ces 4 courses. Un grand bravo à vous pour ce que vous avez fait, d'avoir participé à ces 4 courses pendant le mois de juin. Je rappelle que vous avez fait donc le marathon du Mont Blanc, l'Argent Trail, la Combloran et le trail du Gypaët avec 14, 7, 10 et 14, encore une fois, kilomètres. C'est énorme. En cumulé, ça fait quasiment un marathon. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Radio Mont Blanc. Et puis peut-être à la saison prochaine pour un peut-être nouveau challenge. C'est ça, on participera encore.